La marque Defender porte l'aventure luxueuse à un nouveau niveau avec une suite d'améliorations dans toute la gamme de marques pour l'année modèle 2025. Les niveaux de spécification simplifiés facilitent plus que jamais le choix du Defender parfait. Land Rover a présenté une série de mises à jour de l'année modèle pour la famille de SUV Defender 2025, axée sur l'amélioration de ses qualités de luxe et de confort, ainsi que sur l'ajout d'un moteur diesel plus puissant. Les points forts incluent un pack intérieur signature avec des fonctionnalités haut de gamme disponibles sur toute la gamme, une option de siège capitaine pour le 130 et une édition spéciale se donna pour le 110. La nouvelle génération de l'emblématique Defender a été un succès commercial pour Land Rover depuis ses débuts, en 2019. Bien que le SUV n'ait pas encore reçu de lifting traditionnel, les mises à jour de l'année modèle 2025 sont assez nombreuses, le rapprochant du luxueux Range revers en termes de fonctionnalités disponibles. À partir du nouveau groupe motopropulseur, le Defender D350 est équipé d'un six cylindres diesel hybride doux de 3,0 litres produisant 257 kW (350 chevaux) et 700 Nm de couple, tout comme dans le Range revers. Cela représente une augmentation de 37 kW 50 chevaux et de 50 Nm par rapport au D300 qu'il remplace, ce qui, selon Land Rover, permet des dépassements et des déplacements plus faciles. Le Land Rover Defender 2025 propose une gamme simplifiée comprenant les versions S, X Dynamic SE, X Dynamic HSE, X et V8, disponibles pour les trois versions de carrosserie, 90, 110 et 130. L'extérieur est conservé car les mises à jour ont été concentrées à l'intérieur de l'habitacle. Cependant, il existe un Defender 110 Sedona Edition qui ne sera proposé que pendant un an avec de nouvelles spécifications inspirées du désert de l'Arizona. La teinte extérieure Sedona Red est combinée avec des décalcomanies uniques sur le capot. Des jantes en alliage de 22 pouces finies en gloss black et le pack Extended Black pour l'extérieur. À l'intérieur, le nouveau pack intérieur signature est en option dans le Dynamique HSE, mais de série. Sur les éditions Defender X, V8 et Sedona. Il propose des sièges climatisés pour les deux rangées avec des appuis têtes et les redessinés. Les sièges avant sont réglables électriquement dans 14 directions avec fonction de mémoire, tandis que la troisième rangée du Defender 130 est chauffante. Le tableau de bord du Defender arbore un système d'infodivertissement à écran tactile de 10 pouces qui exécute une nouvelle interface pour Land Rover appelée PV Pro, un écran plus grand de 11,4 pouces et facultatif. Comparé à l'interface Touche Pro Duo du reste de la gamme Land Rover, le système du Defender repose sur un seul écran tactile au lieu de deux, offre des temps de réponse plus rapides et peut gérer les mises à jour logicielles en direct pour les versions futures. Apple CarPlay et Android Auto sont tous deux de série, tout comme un système de navigation intégré au tableau de bord, une chaîne stéréo à 6 haut-parleurs et un point d'accès Wi-Fi intégré. Les systèmes stéréo Meridian à 10 et 14 haut-parleurs sont en option, et les acheteurs de Defender haut de gamme reçoivent un groupe de jauge numérique et un affichage tête haute. La sellerie en cuir Windsor Equadra et est combinée avec des tissus ultra, une garniture de toit en suédine et des accents intérieurs plus sombres améliorant l'ambiance haut de gamme de l'habitacle. Les concepteurs des Rover ont également ajouté de nouvelles poches des deux côtés de la console centrale permettant aux conducteurs et aux passagers avant de ranger de petits objets. Pour le Defender 130, le pack intérieur signature peut être combiné avec le pack Captain Cher le transformant d'un 8 places à un 7 places. Les deux sièges individuels de la deuxième rangée avec fonction de chauffage et de refroidissement améliorent le confort pour les longs trajets. Dans le même temps, l'allée qui les sépare permet un accès plus facile au siège de la troisième rangée à l'arrière. Les acheteurs américains bénéficient de moins d'améliorations que ceux d'Europe, du Royaume-Uni et d'Australie puisque l'option de groupe motopropulseur diesel et le signature intérieur pack ne sont pas disponibles en Amérique du Nord. Cependant, le Defender aux spécifications américaines bénéficie de la gamme simplifiée, des options groupées et du pack captain cher pour le Defender 130. Le confort des passagers passe à un niveau supérieur pour les clients du Defender 130 avec l'introduction du luxueux nouveau pack captain cher. La nouvelle option de siège pour la deuxième rangée rehausse l'expérience des passagers avec deux sièges individuels de luxe, dotés d'accoudoirs de chaque côté et d'appui tête à oreilles confortable. Les sièges sont séparés par une allée qui offre un accès gracieux à la troisième rangée. Les nouveaux sièges individuels luxueux disponibles pour les occupants de la deuxième rangée du Defender 130 offrent un confort. Un espace et une polyvalence ultime, séparés les uns des autres par une allée qui donne un accès élégant et sans effort à la troisième rangée. Grâce à la technologie de chauffage et de refroidissement, ils sont parfaits pour les aventures de première classe à travers le monde, offrant le confort de la première rangée à ceux qui voyagent dans la deuxième rangée. Nous nous attendons à ce que le prochain Defender Octa 2025 soit encore plus rapide grâce à son V8 Biturbo, plus puissant bien que les puissances nominales officielles ne soient pas encore disponibles, Land Rover affirme qu'il s'agira du défendeur le plus puissant de la gamme. Remarquablement, les cotes d'économie de carburant de l'EPA pour les différents modèles Defender sont similaires, quel que soit ce qu'il y a sous le capot. Le modèle 110 avec le moteur 6 cylindres a les mêmes estimations que le 6 cylindres 90 mais la longue l'empattement 130 est évaluée à 25 km pour gallon en ville et à 33 km pour gallon sur autoroute avec le 6 cylindres. La variante V8 du 110 est conçue pour 20 km pour gallon en ville et 30 km pour gallon sur autoroute. Sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute de 120 km par heure. Un Defender 110X avec le groupe motopropulseur 6 cylindres en option a fourni une consommation décevante de 27 km/gallon, le 130 Cedona n'a réussi que 30 km/gallon dans le même test. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du Defender, visitez le site web de l'EPA. Les accoudoirs individuels sur chacun des deux sièges augmentent encore le niveau de confort. Tandis que l'allée entre les sièges offre un espace supplémentaire permettant aux passagères centrales de la troisième rangée de s'étendre. Les deux portes gobelets situées sur une zone surélevée juste derrière la console centrale avant offrent un côté pratique supplémentaire et créent une séparation informelle entre les sièges. Les clients défendaires disposent désormais d'une gamme simplifiée de packs d'options, soigneusement sélectionnés, pack conduite et adas 2, packs offrades, différentiel actif électronique, barre de toit noire tout terrain, prise domestique, oie de sensing, pack tout terrain avancé, contrôle de progression tout terrain, terrain response 2, terrain response configurable, suspension pneumatique électronique, dynamique adaptative et mise à niveau automatique des phares. Pack de conduite dynamique, différentiel actif électronique, suspension pneumatique électronique, dynamique adaptative et réglage automatique du niveau des phares, roue de secours pleine grandeur de 20 pouces. Pack suspension pneumatique, suspension pneumatique électronique, dynamique adaptative, mise à niveau automatique des phares. Pack d'assistance au conducteur, assistance aux angles morts, moniteur de collision arrière, moniteur de trafic arrière. Pack climat froid et remorquage, pack climat froid, pare-brise chauffant, gicleur de lave glace et volant, plus lave phare sous pression. Pack de remorquage 90 et 110, et pack de remorquage 2. 130, moins assistance de remorquage avancé, récepteur d'attelage de remorquage, contrôle de progression tout terrain, terrain response 2, réponse, de terrain configurable, suspension pneumatique électronique, dynamique adaptative et mise à niveau automatique des phares. Pack intérieur, pack confort et commodité, éclairage d'habitacle configurable, système audio méridien, compartiment réfrigérateur de la console centrale avant. Pack intérieur premium U grade, volant en cuir, mise à niveau en cuir étendu, levier de vitesse en cuir, siège avant à mémoire électrique chauffant et refroidi à 14 directions, pack de siège de troisième rangée, pack famille, 110, moins climatisation à 3 zones, capteur de qualité de l'air et cabin air purification plus, siège de troisième rangée manuel, suspension pneumatique électronique, système adaptif dynamique et réglage automatique du niveau des phares. Pack confort famille, 110, moins, comme ci-dessus, si mais avec siège chauffant de troisième rangée et climatisation à trois zones avec assistance au refroidissement.